approche-toi doucement. Parle avec ta femme sauvage. Approche-toi doucement. Il n'est pas question de l'apprivoiser. Montre-lui simplement que tes intentions sont bonnes, que tu viens avec amour et bienveillance, et que tu sais tout ce qu'elle a à te montrer. Dis-lui simplement que tu reconnais sa sagesse et sa valeur. Dis-lui simplement que tu la reconnais. Offre-lui quelque chose. Qu'est-ce que tu lui offres? Elle accepte ton présent. Et elle accepte de te guider. Car tu lui fais la place. Elle sait qu'elle n'est plus rejetée. Elle sait qu'elle n'est plus bridée. Elle sait qu'elle n'est plus méprisée. Ta femme sauvage a tellement à t'apporter. De l'affirmation de toi, de la liberté, de la sexualité, du plaisir, du désir, de la force, de l'intuition, de la joie, de la connexion, de l'ancrage, du toi. Simplement, elle va t'aider à être toi, à te révéler. Tu peux la remercier, lui faire une place, dis-lui qu'elle a sa place. Et maintenant que tu sais où elle est, elle t'invite à revenir quand tu le souhaiteras, à lui demander guidance, force et courage, intuition et abnégation, connexion à la lune, à tes cycles, à ta force, à ton intériorité, à ton extériorité, à toi. Tu pourras la retrouver quand tu le voudras. Elle insiste sur ça. Elle est là. Tu es avec elle. Peut-être même qu'elle te laisse l'embrasser. Regarde-la avec ses loups, une chouette à côté d'elle. Imprime bien son apparence et son énergie en toi. Puis reviens sur tes pas. Dis-lui au revoir, merci. Viens dans la forêt accompagner ton animal. Va à la rivière et plonge en toi. Plonge dans l'eau pour plonger en toi. Et nage.
cœur. Tu peux remonter. Remonte. Respire. Sens la chaleur du soleil sur ta peau. Vois ton animal t'attendre sur la rive. Tu sors. Tu montes sur son dos. Et tu vas vers ton chemin.